salut à tous. Dans ma ville, il y a une course aujourd'hui, comme vous l'entendez, c'est des voitures de collection, des voitures de course. C'est carrément dans la ville, ça fait un bordel. On a son frère, sa sœur, Eric qui viennent, donc comme on va prendre l'apéro, on va manger dans un resto, mais on n'a pas de gâteau apéro. Voilà, le petit programme. Ouais. Oui, j'ai pris. Alors. On va te mettre là. Paddock. Ah, c'est le paddock. Oui, donc là ce matin, il faisait quoi? C'était le warm-up. Warm-up. Ici, nous sommes au paddock. C'est pas mon délire, je regarde. Non, mais... Tu sais bien que c'est pas mon délire non plus. On a rien fait sur mon délire en quoi. On y est. Bonjour. Ça, c'est des Sparco, le pilote, ce qu'il a? Non. Ouais, et enfin, t'avais ça avant, moi, toi? Moi, c'était la marque Sparco, j'avais exactement ça. Ouais, mais tu l'utilisais pour quoi? Conduire ou non, pour tout? Pour faire le... Dans les soirées. Dans les soirées. Et comme ça, tout le monde disait, putain, c'est en fait, tes chaussures, ouais, tu te l'as pété un peu, quoi. Et le dessus de Sparco, ça représentait une semelle de toute voiture. Ah, t'as vu, ils ont vraiment tout installé. Ah, bah, ici, c'est Monaco. Ouais. Je vous raconte pas le bordel que ça va faire. Devant chez moi. Voilà. Classique, des petites... C'est quoi que j'ai pris? Ah, des notes cajou. Et cela. Très bien. Par contre, au niveau de mes lèvres aujourd'hui, waouh, ça tire, c'est sec, j'ai beau. J'arrête pas d'en mettre du baume. Ça s'en va. Il y en a une d'entre vous qui m'a dit attention avec la vaseline, c'est dérivé du pétrole, en plus t'en manges. Je ne sais pas. Bref, je mets le baume en attendant. Qu'est-ce qu'il y a, mon bébé? Ah, c'est parce qu'on t'a pas vu. T'es pas très très content du bruit, je sais. Mais encore, là, c'est rien. Tout à l'heure, je sens que tu vas finir sous le lit. Je sais pas quelle heure ça finit. Voilà. Je m'attache les cheveux. J'aurai moins de chaud. Il y en a deux qui vont prendre genre du vin blanc. Et Eric et moi, parce que je vais pas prendre du coca encore, parce que on va éviter le gazeux, je vais me prendre une petite pina colada, puisqu'on a ce qu'il faut. Et je voudrais deux petits verres sympas. Je vais chercher. Ah voilà, je me souviens qu'une fois on avait eu un coffret comme ça pour Noël, Guy de Graines. Je me souviens plus comment ils sont exactement, mais je pense qu'on va le faire. Waouh! Ah oui, ils sont beaux. Ils sont beaux, hein? Mais je pense que ça va être même pour la pina colada. Alors, l'alcool est à consommer avec modération, n'oublie pas. En parlant de pelade, je sais pas si vous allez voir, mais là... Mais là, ça rigole plus. On est très très bien placé, hein. Bon là, heureusement, c'est off. Mais la course, regardez, hop. Ça se passe vraiment ici. Ah, c'est vrai que c'est chiant la table de bouche. Mais sinon, je vais demander un truc pour caler. Non. Te prends pas la tête. Prends le portable de Lionel, on va le mettre dessus. Oui, donne ton portable, bien. Lionel. Mais si, ça va caler nickel. Roulette de saumon, feta, avec des frites. Ah, bah c'est celui-là, ok, ça a l'air bon aussi, hein. Saint-Marcelin. C'est des frites maison, ça. Hein. J'ai l'impression. Ils arrivent. Wouhou! Qu'est-ce qui se passe? C'est un accident de... Ah, il est bloqué le gars. Qu'est-ce qui se passe? Regardez, ils sont en train de... Ah, elle est HS. On va aller voir les voitures plus près. Il y a de quoi faire. Hein. Ouais, il y a des belles bagnoles, j'avoue. Ah ouais, regardez, il y a la petite caméra. Bonjour. Tu vas avoir une place pour le dernier tour. Quand même. Non, mais dis pas ça parce que dis donc déjà qu'il est compressé. Non, c'est sûr qu'il y avait une Alpine. Il y avait une Alpine quand on roulait vite. Et il y avait le toit qui se baissait légèrement par la décompression.
Mais non, vous conduisez ou vous êtes juste un essai? Non, non, là je prête le volant. Ah, t'es le volant? Carrément. Oh là là. Bah, qu'est-ce qu'elle a de ouf celle-là? Une de mes voitures préférées. La Clio GTI? Ah ouais? La Clio Williams. Exceptionnel, le 13e autobus. Adieu, vous allez faire un petit baptême du château de Loire en fait. Ce sera une fois à toi sur le Loire. Ça tape vraiment tellement et j'ai pas une crème solaire même sur les lèvres. J'avoue que là on voit que dalle. Parce que toi. Oh la vache. Bon après t'en as vu une, t'en as vu deux. C'est un peu toujours pareil mais alors. Je vais rentrer, je suis en train de cramer, j'ai même pas eu de crème. Mes lèvres pareil. Ça te détruit les tympans. Oh, ça pue. Ah ben oui, ça fait trop de bruit ces voitures. Mon pauvre bébé. On avait tous les samples. Je les ai laissés là-bas. Oh non, ça chauffait trop pour mes lèvres. Tu veux aider maman à tout ranger? Hein? Moi déjà, je vais me boire un petit coup d'eau. Ça fait drôle quand tu rentres dans un endroit très très calme après avoir eu tout ce bazar. Tu avais eu peur ou pas mon fils? Bon oui, tu t'étais caché, je connais ta tête, tu t'étais caché sous un lit. Ou t'étais peut-être dans ton tipi. J'ai l'impression que c'était un peu de courte durée. Ouais, ouais, ouais. Non, ils sont de nouveau là les gars. Nickel, j'ai tout déblayé. Je vous retrouve avec une nouvelle tenue. J'en pouvais plus avec ma combinaison. C'est pas la combinaison, c'est le bandeau qui était en dessous. Obligé de le mettre, beaucoup trop décolleté. Le truc c'est que je l'ai acheté il y a 4 mois le bandeau, mais j'avais pris à l'époque taille XS. Et là, comme je vous ai dit, j'ai pris mon 4 kg, mais ça m'appuie. J'arrivais plus à respirer, donc je l'ai coupé, puis à un moment donné, je me suis dit, ah non, c'est plus mes tables, je l'ai jeté. Tout ça pour vous dire que je me suis mise à l'aise. Là, son frère, sa sœur sont rentrés entre-temps à la maison, prendre un petit verre d'eau, et puis sont repartis chez eux, parce qu'ils sont, on va dire, en région parisienne. Et j'avais mis ça de côté pour me dire, Caro, ça fait plusieurs jours, il faut que je leur en parle, je l'ai terminé. Je l'ai reçu hein, par Octoly, c'est le Daywear, c'est une crème sorbet hydratation 72 heures, elle est géniale. Je suis embêtée qu'elle soit terminée parce que je l'aime beaucoup et en plus pendant tout le temps où il faisait des grosses chaleurs, moi je le mettais et je vous conseille hein, de mettre vos crèmes au frigo. Le matin, le soir, juste avant, je mets mon sérum parce qu'il faut toujours mettre un sérum avant. Il convient aux peaux normales, aux peaux mixtes et un SPF de 15, très confort. Vraiment, je vous conseille cette petite crème. Estée Lauder, c'est d'ailleurs une excellente marque. Voilà, ça c'est dit. Sur ce, je vais aller m'avancer un petit peu. Même si on est dimanche, je vais faire de l'ordi. Allez, il est 7h30, j'arrête de bosser pour aujourd'hui. Alors, je vous explique. Bon, déjà, il est quoi? Il est 8h passé maintenant. On va regarder First Man. Le premier homme sur la Lune, parce qu'en fait, c'était un peu anniversaire, c'est ça? C'est aujourd'hui que le premier homme sur la Lune est allé sur la Lune. C'est une nouveauté, hein, je crois. Ah, bah 2018. En HD. Pff. Quoi? Rien. Ah non, mais c'est un grand écran, tu me prends. Oh. Ouais, non, je pense que vous allez pas me voir. Vous demandez où je suis? Bah, je suis chez moi, dans ma courette. J'ai pas dû vous la montrer bien souvent. On voit que dalle. On a fait des tests d'ailleurs avec Eric en mettant une guirlande, on l'a changée. Attendez, parce que je suis sur ma chaise d'extérieur. Ça rend pas. Enfin, on ne voit pas bébé. C'est pas grave. Je voulais clôturer ici. Regarde. On voit que dalle. C'est bien comme ça, on ne voit pas. Oui. Quoi? T'as la tâche. La tâche noire. Ah si, ici peut-être mieux. Ouais, allez. Je vais clôturer donc ce vlog maintenant et puis vous dire très certainement à demain. Je teste un des endroits pour un nouveau vlog ou une nouvelle vidéo. J'espère que cette journée vous aura plu. Je vous fais un gros bisou et puis on se dit